cette recrudescence des cas de contamination pousse encore le ministre de la Santé à tirer la sonnette d'alarme. Khaled El Taleb insiste sur l'obligation du port de masque. La situation reste imprévisible, mais nous ne ménageons aucun effort pour endiguer cette infection virale avec tous les moyens dont nous disposons, a-t-il assuré. Pour le ministre, l'heure n'est pas au relâchement. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on est rentré dans la phase d'assouplissement du confinement. Et suite à la phase d'assouplissement du confinement, cette phase qui a coïncidé avec un changement de la situation épidémiologique à l'échelle internationale, l'Organisation de la Santé qui a alerté sur le fait que la propagation est devenue accélérée et que nous n'avons pas encore atteint le pic de la pandémie, malgré que la virulence du virus a diminué. Mais il ne faudrait pas que ça coïncide aussi avec la grippe saisonnière de l'année prochaine, qui pourrait représenter un danger manifeste. Aujourd'hui, la situation épidémiologique au Maroc commence à changer aussi, du fait du changement à l'échelle internationale et du fait aussi de l'allègement de l'assouplissement. Les mesures barrières sont devenues très importantes. Il faudrait qu'il y ait une adhésion de l'ensemble parce qu'il y va de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective. C'est vrai que nous avons atteint des résultats, mais il faudrait les capitaliser, ne pas les perdre. Ça serait très dommage de perdre tout ce que nous avons pu acquérir jusqu'à aujourd'hui, avec tous les efforts des uns et des autres. Au niveau national, il y a quand même une hétérogénéité dans la situation épidémiologique. Nous avons certaines provinces qui connaissent un changement de situation et qui sortent un peu de la maîtrise, du fait qu'il y a un relâchement par rapport au respect des mesures barrières. Nous invitons et nous incitons ces citoyens, bien sûr, de prendre en considération les gens qui ont quand même une certaine vulnérabilité, qui sont bien sûr exposés au risque, bien sûr, de complications d'une maladie de Covid ou d'une contagion de Covid. Nous avons beaucoup de cas asymptomatiques qui ne savent même pas qu'ils sont porteurs ou non du virus et qui peuvent exposer. Et c'est la raison pour laquelle, à l'échelle internationale et tout le monde, convient à ce que les mesures barrières sont le dénominateur commun pour la lutte contre la propagation.